dire salam alaikum. Nous sommes venus à l'extérieur pour chercher les 3 points. Et du coup, nous avons eu 1 point. On pense avec philosophie et positivement. Et pour moi, c'est le travail qui continue. On doit rester concentré pour la suite de la compétition et travailler davantage pour pouvoir mieux agir que ça. Donc moi, j'appelle les amis à travailler, à être concentrés pour la suite parce que le plus dur est encore devant. Donc, bon, écoutez, nous sommes venus pour 3 points. Si on a eu 1 point, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc du coup, je ne peux pas être décevoir. Moi, je suis satisfait de 1 point. À nous maintenant de rester sérieux pour la suite parce que le plus dur est devant et il y a plus de chances encore à aboutir. Donc à nous de rester concentrés encore. On a vu une très bonne réaction de votre part sur ce match par rapport au match de demain. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match de demain? Moi je dis que c'est l'esprit, c'est l'envie. Parce que du coup, contre le match de net, nous avons voulu les 3 points. Et en nous, on a senti que vraiment nous sommes passés à côté. Donc aujourd'hui, on avait envie, on était motivé, on voulait mieux faire que ça et prendre les 3 points. Mais bon, comme je dis, on a eu 1 point, on prend ça avec philosophie et c'est positif. Le travail continue pour nous. Merci. Assalamu alaikum. البرج دخل بنية الفوز بعد النقطة الثامنة تحصل عليها في وارن. احنا تعثرنا في اللقاء الأول جينا اليوم بنية الفوز حقيقة في الحقيقة دخلنا بهنا بنعد بالنقاط الثلاثة ربي ما كتبش جاب نقطة اللي تساعدنا في بقية المشوار الحمد لله ربي كنشوف السيناريو تاع المقابلة كانت مقابلة صعيبة ضد أهل البرج اللي طبقوا الكرة مليحة اعتمدوا بزاف على الكرة العالية نيسينا شوية نحطوا البالون في الأرض مي الحمد لله يا ربي نظن نقطة إيجابية إن شاء الله راضيين عليها يعني نظن بالنظر للسيناريو تاع المقابلة خاصة بعد طردين في الدقائق الاخيره وين تخلطت شويه الامور علينا نظن بالسيناريو تاع الدقائق الاخيره نظن نقطه ايجابيه نظير الفرص اللي ضيعنا كنا قادرين نعودوا بالنقاط الثلاث ربي ما كتبناش بالك نقطه فيها خير ان شاء الله خير من الخساره شكرا يعطيك الصحه